Alors, Émilie est très jolie, ça on voit. C'est quelqu'un de très naturel. Et en même temps, elle voulait travailler un peu son sourcil, mais il ne fallait pas que ça se voit. Le sourcil manquait un petit peu de hauteur, ce qui fait qu'elle avait l'œil un petit peu triste. Et on a décidé de recréer le sourcil dans sa forme idéale à partir de la forme de son sourcil actuel. On a donc décidé de faire une dermographie, ce qui est un tatouage du sourcil. J'ai travaillé avec des petits points, les uns à côté des autres, très serrés, pour avoir un effet naturel et fondu. On a retravaillé le point de hauteur du sourcil ici. On a retravaillé l'avant du sourcil pour l'agrandir un petit peu ici, parce qu'il était un petit peu court, on l'a rapproché, on l'a rallongé. Ça a été fait il y a à peu près un mois et demi, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, elle vient pour la retouche. Donc, on va regarder exactement ce qui a pris, pas pris et comment ça a pris. Et là, on voit qu'il y a des petits manques ici. Donc, on va aller recombler les petits manques ici pour relier le départ du sourcil, qu'on n'ait pas cette démarcation entre le travail du trait et du sourcil. On va reprendre quelques petits points à l'intérieur ici. On voit le tracé ici, à l'intérieur. Donc, pareil, on va reprendre quelques petites irrégularités sans perdre de vue que le résultat que l'on vise, c'est l'extrême naturel. Quand on travaille un sourcil, il y a une chose importante, c'est comprendre la physiologie. On est sur un muscle qui est accroché sur une arcade et qui va déterminer la forme du regard. Si j'ai un sourcil un petit peu descendant, je vais avoir un œil triste. Il faut que j'ai à peu près 2/3 de longueur ici avant le point de hauteur et ensuite petite descente du sourcil en douceur. Et surtout pas trop fermé, parce que sinon je vais durcir son regard. Là on a réintensifié comme on voulait faire un petit peu le départ à la racine pour faire la jonction entre les poils et le tracé, un petit peu au-dessus. Super boulot.